Et c'est reparti sur SF Act. On est sur une planète dont j'ai complètement oublié le nom. Et on doit. Il y a des scientifiques qu'on doit aider. Alors je sais pas si c'est sur cette planète ou pas. J'avoue que j'ai pas forcément suivi cette partie-là. Donc autant l'histoire principale est intéressante, autant les missions annexes sont pas forcément. Pas forcément trop intéressante. Pas que j'ai spécialement un intérêt. Ok, alors presque. Que va-t-on trouver? Oula! Mort. Mort. Et mort. Retourner humain. Hein. Ok, je crois qu'il y a un cadavre, ouais. Ok. Ok, très bien. Hop, on va aller là, maintenant. Et c'est reparti. J'imagine trop les traces de vol partout là dans le camion. C'est bon pour ceux qui ont connu le VX. Bref, je pense que c'est pire. Redéploiement. Oh non. Oh, fait chier. Ok. Bon bah on va aller se taper, je pense que c'est des petits points rouges qu'on voit quoi. Ah ouais. Ah ouais. Il reste encore ou pas? Ah tiens, il y en a un là. On va voir plus près, hein. Ici, il reste. Pas impatient. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'ils sont tous morts. Terrible. Terrible de nouvelles. Ah ouais. Oh là là, qu'est-ce que c'est? C'est des machins là. Merde, c'est des humains? Non. Ah non. Je crois pas. Enfin, peut-être. Allez, les capins. On va faire un peu le ménage. Oh my god. Il y a du mort là-dedans.
convertir des trucs. Non! Voilà. Hop là. Un kit d'assistance, ok, on a le droit du Medigel ici. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Hello. Ah, objet endommagé. Ah, je crois que c'est là que ça va se fight. Attends. Ouais, ok. Non mais c'est pas là. Ah. Ok, non, je suis là. Voilà. Ah, voilà. Putain, le restant. Voilà.
Tiens, y'a d'autres trucs. Nous contrôlons le périmètre. Ok. Bon. Ah. Cool. Super. Et là. Ouais. Ouais, je veux. Voilà. Wow, l'armée qui est dans... Non, ah oui, non, c'est pas ce que je voulais, c'était... Donc là, Vrex. Ah ouais. Non mais t'es bien là en fait, Vrex. Toi, t'es pas mal aussi en fait, hein. Ok, let's go, faisons comme ça. Alors, on va juste sauvegarder parce que je connais le truc. Je connais l'embrouille. Oh, petit bonhomme. N'avancez pas! Restez en dehors de ça! Tout ce que je veux, c'est ce fumier! Je vous en supplie! Il est fou! Monsieur Toombs, vous êtes en plein délire! Vous avez... La ferme! Arrête de mentir! Arrête! Shepard? Bon sang, Shepard, c'est vous? Caporal Toombs, mais... Je vous ai vu mourir sur Akuzé, comment avez-vous atterri ici? Ils m'ont enlevé, Shepard! Les scientifiques! Vous ne pouvez pas le prouver! Cet homme confond réel et réalité! Ils faisaient des tests sur les dévoreurs! Ils les ont délibérément laissés nous attaquer pour pouvoir les étudier! Je me suis réveillé dans une cellule. Les scientifiques étaient ravis que j'ai survécu. Vous imaginez? Enfin un sujet de test. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, Toombs? Vous ne pouvez pas croire, Toombs? Il n'a aucune preuve! Je veux un procès équitable! Il était là, ce salaud! Il connaît la vérité! Ils font partie de Cerberus. Une organisation qui pratique ce genre de test en secret. Ils se sont servis de moi comme cobaye. Ce gars-là mérite de crever, Shepard! Pour vous, pour moi, pour tous les autres gars de l'unité! Vous êtes avec moi? Vous valez mieux que ça, Toombs. Vous n'êtes pas comme eux. Faites pas semblant de me connaître! Vous vous en êtes tiré avec quelques égratignures et une réputation de tueur! Toute l'unité a été massacrée! Et on m'a torturé pendant des années, Shepard! Vous pouvez pas me juger! Vous n'avez pas le droit! Nous avons prêté serment en endossant cet uniforme. Votre unité voudrait la vengeance ou la justice? Je n'avais pas vu les choses sous cet angle. D'accord. Si ce type paye pour ses crimes, je ne serai pas un meurtrier. Ils ne m'ont pas abîmé à ce point. Peut-être que les hurlements vont enfin s'arrêter. On verra. Ces fumiers ne vous feront plus de mal. Joker, prévenez la 5e flotte qu'on a un VIP. Bien compris, commandant. Ouais, trop bien.
Raté. Ok, retourne de Normandie. Ok. Bon, j'irai voir la quête. Ok. Réception d'un message, je Ah, transfère. faites ça. Commandant, j'ai consulté votre rapport. C'est une bonne chose que vous ayez ramené le docteur Wayne vivant. Nous allons pouvoir le traîner en justice et obtenir des réponses. Le caporal Toombs semble avoir tourné la page. Avec une bonne thérapie, il finira peut-être par reprendre une vie normale. J'espère que cette affaire vous aura aidé à faire votre deuil du passé. Merci. Cinquième flotte, terminée. Ok. Très bien. On était là, là, il n'y a rien d'autre à voir. Pelella King. Et voilà. Bon, commençons par faire de gauche à droite. Soyons ordonnés. Super. Y'a rien. S'il y a rien. Si on peut atterrir. S'il y a rien. Super. On va atterrir alors. Allez, mes trois bonhommes sont pas mal. On va voir s'il y a des choses sur cette planète. Voyons voir les cartes. Ok, donc il y a plein de trucs là. Commencer ici. Gisement. Oh la vache, je vais tout grimper là. Oh. Oh merde. Chier, oh, tant pis. Tant pis, tant pis. Allez. Encore une fois, je me répète, hein, c'est pas drôle en fait. Ces putains de circuits à la con là.
cache-cache. Voilà, c'est pas drôle en fait. Bon bah non, c'est carrément pas drôle, donc enfin, on va essayer par notre face, je sais pas. Oh putain! Wow. Non, 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 non! Bon, là c'est joli, mais ça vaut pas le coup de se casser le cul pour ça, quoi! Franchement! Pas drôle quoi. C'est pas drôle, c'est pas une relation. Ah. Je dégage. Dégage, dégage. Ok. On les a tous su, Shepard. Super. Ok. Là, on peut aller un peu dessus ou pas? Ah ouais. Bon, très bien. Alors attends, parce que là du coup au niveau de la carte. Ah putain, il s'est pas mis à jouer là, le coup. Est-ce que là, si je vais par là. Ah yes. Ok, voilà. Youhou. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Non. Ah tiens. Il y a des méchants par là-bas. Voilà.
Ah. Ok, superbe. Ok. Oh là, raté. Est-ce que c'est ça? Ouais, est-ce que c'est raté? Ouais, non. Je sais pas si c'est raté, en tout cas, par là. Ok. Ok. Analyser. Beryllium. Ok. Genre là, par contre. Ah, attends, parce que là... Ok. Je sais pas du tout si c'est dans la bonne direction. Hein. Ah si, ouais, je pense. Je pense que c'est la bonne direction. Ah, tiens, il y en a un là. La colonie tout entière a dû être transformée. Donc. Ah, ok, on va s'approcher. Ça a l'air désert. J'aime pas ça du tout. Ah, je savais bien qu'il en restait un. Ok les gars. Opération nettoyage. Ah ouais. Il est perdu. Ça devient intéressant. Il est perdu. Ok, il en reste un. Voilà. RS. Ok. Ok. Ah
Ah, vas-y, convertis ce tout. Ouais, là. Ah. D'assistance. Il y a une porte par là. Ah. Oh ouais, trop dur. Ok. Nord debout. Ok. Bon. Donc il n'y a rien d'autre à faire ici. Très bien. Ah. Tungstène. Ok les gars. Attends, on est sur le Mako. Là. Allez, on va défoncer à nouveau les autres ici sur les gars. Ennemis en visuel. Oh mais toi t'es vraiment même Tristoun. Oh non non, mais t'es efficace. Bouclier inactif. Ça devient intéressant. Oh. Il doit y en rester un là-bas. Putain mais. Putain. Zone nettoyée. Super, on n'attendait pas moins. Putain, mais les omnigels que je vais avoir là, ça va être un truc de dingo. Ok. Ah. Ok, donc là il n'y a rien. Explose en réalité. Il y a des casiers ici. Bah oui, on tente un override.
Et bim. Pistolet, si on s'en fout. Si on s'en fout, et si on s'en fout. Gagner 100 d'XP encore. Commencer à être pas terrible en fait. Et là. Allez les gars, on y retourne. On va faire le dernier là. Hop là, on monte dans le véhicule. Et puis je pense que c'est par là le tout dernier. Que ce soit sur la montagne. Parfait. Non, raté. Ah, raté, c'est un peu un échec. C'est un échec, je dois reconnaître. Allez. Est-ce que c'est là-dessus? Ah, mais oui. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là? Boum! Ah bah toi t'es mort. Boum! Ah! Toi aussi t'es mort. Vas-y alors. Reste un. Le dernier. Piti piti! Ah! Il est là. Oh! Il court vraiment plus ce petit. Allez t'es mort. Boum! Ça y est! Allez, putain, c'est où on va rentrer, c'est là. La Garrett là, elle est pas hyper bien hein, quand même. Garen là. Pas hyper en forme le petit. Pourtant, je crains que. Juste besoin d'un super bonhomme là. Ah, le voilà. Ah, il y en a là. Ok. Le petit a pas trouvé la route. Où est le petit? Ah, il est là. Aïe. Alors. Ah, kit médical. J'ai pris, si j'ai pris. Je réussisse à... Je sais plus c'est quoi les... Plus quelles sont les touches pour guérir mon ami Garen. Il boitera encore un peu. Oh là. Bon, allez les gars. Oh, c'est encore un gars qu'on va devoir menacer, je suis sûr. Ah non. Ouais, moi je veux ride. Donc. Ça, je vais la prendre ça. Ah fuck. Ouais, tant pis, hein. Écoute, comme ça.
Ouais, ça fait de l'XP. Wow. Non! Merde. Yes, aïe. Oh putain. Oh. Bah, de toute façon, j'ai pas le choix. Hein. Il faudrait que j'aille acheter un mec. Oui, c'est trop bien. Des trucs dans le journal. Ok. T'as notre l'omnigel de partout, les gars. Ok. Bon bah du coup on a tout ce qu'il faut. Ah. Donc là, dans le journal, qu'est-ce qu'on a? Je vais vers le Yangtze là. Ah tiens, qu'est-ce qu'il y a là en face? Ouah, y a rien. Ah, je suis arrivé d'où? Je suis arrivé par là, je crois. Ok. Allez, on quitte ce putain de bâtiment là. Et hop là. On va retourner au Mako. Le Mako. Et puis on va tenter. Juste regarder où ce truc là là. Je crois que lui je ne l'ai pas fait. Ouais, je crois que je l'ai pas fait. C'est pas là. J'arrive. Oh, fait chier. Ok. Retour en Normandie. Ok, guy. On a fait celui-là. On va faire celui-là. Pas stock. L'analyser, très bien, il y a des trucs dessus. Commandant, il y a une balise de détresse active sur cette planète. Elle envoie juste un signal de position, sans message. Ok, mais très bien. Il va encore falloir que je sauve le monde. Allez les gars. Des montagnes, c'est pas vrai.
Comment est-ce qu'on fait pour grimper ça là? Est-ce que là... Putain, j'ai aucune idée de... Attends, on va voir la carte. Ah ouais, non, ça devrait aller. Ça devrait aller juste derrière ça. Ok, les anciens. Ok. J'attends vos ordres. Alors, maintenant. Allez là. Là ça peut passer là. On va tenter ça. Ouais, ça a l'air de jouer, ça a l'air de jouer. Yes, salut, ça joue. Oh putain, là je tombe de quoi. Oh putain, non. Voilà. Bon, ça a l'air d'être assez connard. Force insuffisante, super. Et donc on va aller là. On va aller là. Sinon on va s'amuser aussi encore un peu. Par là, on va essayer de faire voilà, comme ça.
puis après on va essayer de... Comme ça là, paf. Voilà, comme ça. Je sais pas, c'est peut-être relativement inutile dans ce que j'ai fait. Bon. Oh la vache. Bon. On va repenter en passant par cette crête là. Ah putain. Non 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 putain de sa mère. C'est casse-couille. Putain, je vais me répéter, hein, mais quel moment ils ont trouvé ce rôle de mec en fait. Quel moment ils ont trouvé, c'est marrant. Quel moment. Allez. C'est trop le meilleur angle en fait. Ouais, c'est pas longtemps. Là. Allez. Ah, c'est là. Allez, les gars. Ok, bon ben on va retourner les gars. Hop. Ah putain, il y en a encore pléthore. Putain, mais... Oh là là, les trucs qui marchent pas, quoi. Ah si je peux récupérer un peu de médigel ou des conneries comme ça, ça m'arrange. Putain! Là y'a pas... Ça va être encore vide ça? Ah non, c'est pas vide.
il va falloir que je... Voilà. Des secours. Enfin. Tu vois, je t'avais dit que cette balise nous sauverait la vie. Je suis le Dr Ross, responsable des recherches de ce centre. Nous travaillons pour le compte d'Exogénie. Ça fait des jours qu'on est enfermé dans cette salle. On commençait à manquer de vivres. Vous arrivez juste à temps. J'ai du mal à saisir la situation. Comment se fait-il que cet endroit grouille de serviteurs du Taurien ? Le Taurien ? Vous êtes au courant ? Je sais ce que tramait Exogénie, oui. J'ai vu ce que le Taurien a fait aux colons de Féros, et je l'ai détruit. Bon. Si vous êtes dans les secrets des dieux, autant que je vous explique le reste. Bah ouais. Ces créatures ont été produites à partir d'échantillons modifiés, prélevés sur les spécimens de Féros. Nous sommes parvenus à en faire des serviteurs dociles et obéissants. Tout se passait bien jusqu'à il y a quelques jours, quand tout d'un coup, les sujets sont devenus fous furieux. On n'a été qu'une poignée à s'en sortir. Vous avez une idée de ce qui les a rendus fous ? Il subsistait peut-être un lien entre nos sujets et le Taurien sur Féros. Le Taurien était une entité absolument unique. Peut-être que c'est sa mort qui a déchaîné les serviteurs. Il y a peut-être d'autres groupes de rescapés dans la base. Ça m'étonnerait. Vous n'imaginez pas le carnage que ça a été. Non, on est les seuls survivants. Pourquoi avoir envoyé juste un signal de position et pas un appel de détresse explicite ? Parce que cette base ne peut pas transmettre hors monde. Exogénie craignait les fuites et les dénonciations. Du coup, aucun moyen de communiquer avec l'extérieur. À part cette balise qui transmet un signal de détresse vers le site de Féros. Ils sont censés envoyer une équipe dans les 24 heures, mais apparemment on n'est pas les seuls à avoir eu des problèmes. J'ai entendu ce que je voulais savoir. Écoutez, on a eu tort, je le reconnais. Mais ce qui est fait, ça ne servirait à rien de le signaler aux autorités. Le personnel était sous votre responsabilité. Ils vous ont fait confiance et vous les avez trahis. Vous croyez que je savais que ça allait se passer comme ça? Qu'est-ce que ça changerait de m'envoyer en cellule? En temps normal, je serais le bouc émissaire d'Exogénie, mais on dirait qu'ils ont déjà fort à faire avec Féros. Heureusement, j'ai mis de l'argent de côté en cas d'urgence. Si vous nous laissez partir, il est à vous. Les victimes méritent justice. Je dois vous arrêter. Ça, n'y comptez pas. Ouvrez le feu ! Ouvrez le feu ! Ok. Bon. Dommage, hein. Ah. Très bien, bon bah... Justice a été rendue. Que voulez-vous ? Alors, moi je voulais quand même
faire un truc. On va retourner sur la Normandie, on va réatterrir. Parce que je suis sûr que sur la gauche, un truc. Et on va réatterrir. Et puis après, je vais prendre le matos aussi. Ouais, voilà, je sais bien qu'il y a un truc. Oh, il est méchant, il est mis là. Il va y avoir un autre sang. Comment t'y es, la dame? C'est pas ça. Perdu là-bas. Ah oui d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Ah. Oh là. Ah, mais ils sont nombreux, dis-moi. Ah, je t'ai loupé. Voilà. Ok, on va voir ce qu'il peut y avoir là-dedans. Je savais bien qu'il y avait des choses. Ok, bon, bah, non, en fait, il n'y a rien. Chier. Hop là. Un peu de grind. Un peu de... Allez. Ah, c'est ça, c'est là. Bon, par contre, là, je vais voir chez Edward. Ok. On a dit du minerai. Qu'est-ce que ça donne? Ok, gisement d'or. Très bien. Non mais je veux... Ah putain. Je vais retourner à bord du véhicule. Ah voilà. Ok. Bon, alors on va faire re ça. Puis on va retourner dans le centre. On va réatterrir encore une fois. C'est là où on voit que c'est mal branlé en fait. Quel est l'intérêt de faire ça en fait? Eh ben vas-y, donne-moi Vrex et Garrus. Oui, je l'appelais Garen tout à l'heure, Garrus. Alright. Bon, on retourne là-dessus là. Parce que là-dessus, il y a des méchants. Même méchant. Hop là. Hop. Est-ce qu'il y a moyen d'entrer là-dedans? Ah non. Ah, je pensais qu'il y avait moyen.
Oh, c'est naze. Bon, bah, hein? Ok, bon, ben, on va remonter à bord. Putain, je suis Kiblo. J'attends vos ordres. Ok, bah remontons et puis allons-nous-en parce que c'était pas intéressant. Ah, je vais défendre mes armes. Ah, vas-y, je vais vendre mes armes. Ouf, quoique je finis ça et puis après. Je vends mes armes. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Rien. Analyser celle-là, super. Analyser. Ok, de l'iradium, super. Et de l'or. C'est tellement bien là-dessus. C'est trop bizarre ça. On va aborder celui-là. Un peu. Ok, salut les gars. Qu'y a-t-il là-dedans? Ok les gars. Il est méchant, il est vilain. Oh là. Ok. Bon, bah là, il n'y a plus personne. Hein. Je suis perdu là. Je sais pas où je vais, ça je n'ai jamais bien su, mais si jamais je le savais, je crois bien que je n'irai plus. Ah. Ok les gars. Oh. Oh là là. Ok. Je vais, je n'ai jamais bien su, mais si jamais je le savais, je crois bien que je n'irai plus. De labyrinthe. Bon, ok. Essayez de voir s'il y a là-bas. Je parie qu'il y a
petit coffre. Ouais, j'override. Pas de problème pour moi. Tsunami. Volkov, qui est super. Ça, je pense que je pourrais en acheter une partie à mon copain dans la cale là. Hop là. Et là, je pense qu'il va y avoir des gens. Ah non. Un petit journal. D'après le journal de bord, le vaisseau se trouvait près du voile de Percé. Ils sont tombés sur une sorte d'artefact alien. Ils l'ont ramené à bord et... ça n'a pas de sens. Ils ont mis le cap directement sur le voile de Percé. Comme s'ils avaient voulu que les guettes les trouvent. Qu'est-ce que le journal dit d'autre? La suite du journal est incohérente. Comme si le capitaine perdait la raison. Je ne vois rien qui indique comment le vaisseau est revenu en territoire humain. Les guettes leur ont vidé le crâne et laissé le vaisseau à un endroit où quelqu'un pourrait le trouver. Ils veulent nous montrer ce qui arrive aux organiques assez fous pour franchir le voile. Bah nous de toute façon on ira. Ça y a pas de... y a pas de... clairement pas de... d'hésitation. Hein. Ok. Bon, bah on va retourner à la maison. Et hein. Puis cette fois-ci, je vais revendre... tout mon matos. Oui, je retourne sur Normandie. Pas de problème. Ok les gars. Alors attends. Non, c'est pas là que je vais. Allez, hop là. Hop là, tiens, je vais voir ma petite copine là. Docteur. J'ai le sentiment que vous voulez me demander quelque chose, commandant. Non, je voulais juste qu'on discute un peu. Volontiers, Shepard. De quoi vouliez-vous parler? Je dois vous laisser. Au revoir, Shepard. Bon. Let's go. Ça, c'est long. Ok, toi... Il vous faut des provisions? Montrez-moi ce que vous avez. Ok. À vos ordres, commandant. Oh là là, j'ai plein de trucs. Un Simtar 9. Alors attends. Oh non! Il vous faut des provisions. Montrez-moi ce que vous avez. À vos ordres, commandant.
Ok, alors je vais quand même vendre des trucs de merde. Tout ce qui est niveau 1, je vais le vendre parce que ça sert à rien, je le garde. Strictement rien. Ah merde. Ok, super. C'est chiant, je m'ennuie. Ouais, je vais aller bientôt au niveau même niveau 2, je vais vendre ça, rien, je regarde. Même le 3 et demi, 3, je dégage. Ah, voilà. Et voilà. Voilà, je me demande le niveau 3, franchement ça sert à rien, niveau 3. Hop là. Et voilà. Et ben celui-là. Pas mal. Ça va bien. Je vais l'acheter celui-là. Fusil d'assaut. Capacité de refroidissement, elle est moins bien. Le taux de précision, elle est meilleure. Les dégâts, est bien meilleur. Tac. Armure lourde humain. Ah ouais, non, par contre, ça... Ok, alors, voyons voir l'équipement. Eh ben celui-là... Ah putain, il n'y a pas de mode dessus. Huh. Tenter. Ok. Ça marche. Commandant Rentola, qu'est-ce qu'il fait ici? Vous avez toute ma gratitude, commandant. Beaucoup auraient abandonné notre équipe. La mort du capitaine Kira est préoccupante. Mais je ne peux pas vous en vouloir, vous avez perdu quelqu'un, vous aussi. Le capitaine Kira va nous manquer, mais son sacrifice a sauvé bien des vies. C'est notre lot à tous, je suppose. Mais quand le sacrifice est trop grand, il devient parfois impossible de savoir qui a gagné. Au moins, la mission a été un succès. Il faudra s'en contenter. Nous ne vous dérangerons pas longtemps. Notre unité sera dispersée dès notre départ. Bonne chance, commandant Shepard. Ok, bah écoute, let's go, hein. Allez. Là, j'ai tout fait sur la mer pourpre. J'aime aussi ma... Je sais plus si je l'ai fait. Regardez.
Ah non, j'ai pas fait ça. D'accord. C'est hein. Allez, ouvre. Vite. Tout a été coupé, à part les systèmes essentiels à la survie. Ok les gars, c'est pas grave, on va regarder. Vous avez entendu ? On n'est pas seul. Ça, ce n'était pas là par hasard. Si ça se trouve, c'est truffé de pièges. Sur les gars. Putain, les gars, presque. Mais ça. Okay. C'est tout explosé avant que... là. Et ça nous pète à la gueule. Les copains. Voilà. Je pense que là on est pas dans les bons là. Putain, allez. Ah, chiotte. Ok. Bizarre. Jacob ne survivra pas. Son cerveau a été privé d'oxygène trop longtemps. Nous ne pouvons plus rien faire pour lui, à part le laisser mourir dans la dignité. C'est ce qu'il aurait voulu. Pour l'instant, c'est surtout Julia qui m'inquiète. Elle montre des signes d'intense dépression. Je l'ai mise sous calmant, mais je ferais mieux d'avertir le capitaine. Ok. Désolé, Jacob. Okay. Tout le monde dit que Jacob est comme mort, que son cerveau a arrêté de fonctionner, qu'il faut le débrancher. Mais il n'y a rien au monde auquel je tienne plus qu'à Jacob. Je ne sais pas comment l'aider. Je me sens complètement inutile et ça me rend folle. Le docteur Smith m'a donné des cachets pour me calmer, mais je ne les ai pas pris. Non, il faut d'abord que je trouve un moyen d'aider Jacob. Je ne peux pas l'abandonner. Ok, bah je sais pas moi. Allez. Okay. Jacob ne manifeste plus aucune activité cérébrale. Nous ne pouvons rien faire de plus pour lui. Le connaissant, il voudrait qu'on le débranche. Et c'est ce que nous allons faire. Cela dit, le docteur Smith craint que Julia réagisse mal. Elle semble avoir beaucoup de difficultés à laisser partir Jacob. Sous le coup du stress,
Ces implants ont des pics d'activité qui lui causent d'intenses migraines. Il vaudrait mieux pour tout le monde que nous ne lui disions rien avant d'avoir débranché les machines. Il faut la confronter à... Julia, qu'est-ce que vous faites là? Et pourquoi ce... Ah! Ok. Ah ouais. Ah bon. Et donc? Ah, c'est tout. Oh, ouais, très bien. Ah non, j'ai pas gagné de niveau. Ok, bon bah très bien, très bien, très bien. Tue les gens. Tue les gens. C'était donc toi qui avais mis tous ces pièges. Normandie. Vous voulez revoir sa Normandie. Wow, le fusil à pompe de ouf. Ouais, oui, ouais. Bah, franchement, tiens, vas-y. Et toi là? Ah ouais. Ah ouais, mais non. Ah oui, ok. Ah. Bah vas-y, hein, let's go dans le coffre. Hein. Là, ce qui est con, c'est que je me souviens plus. Je ne me souviens plus quelles sont les planètes que j'ai déjà visitées ou pas, j'aurais dû les noter. Bon, là il n'y a qu'un truc, a priori. Donc, c'est très bien. Des gamma, ça me dit quelque chose. Thermisto aussi. Là-dessus. Ok. Donc. Ok. Réception d'un message. Ah. Je transfère. Appel de détresse! Transport médical, Sequenzel! Défaillance système critique! Perte de puissance! Atterrissage d'urgence! Gostro, répète! Argos! Transmission vont lâcher! Système de survie! Transpondeur de secours! Pour longtemps! Faites vite! Ok. Ok, bon ben on va aller aider les accidentés de la route là. Une équipe de choc. Moi qu'ils ont des belles armes. Ah j'aurais dû regarder les armes. Ah, regardez ça. Oh putain, encore de la montagne là quoi. Ah, peine de détresse. Ouais, pas de problème, j'y vais. Bah on va aller là déjà. Voilà. Ah, je crains que ce soit encore un truc à la con. Ah, le danger du niveau 2 quand même. Un truc que je puisse pas lire en fait.
compétences insuffisantes, ça marche. Ok, bon, bah très bien. Donc on va aller là, tiens. On va retourner sur nos pas. Ok. J'attends vos ordres. Super. Bon, très bien. Et donc là, je vais aller là. Youpi. Pom. 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 C'est le petit machin, là, le petit vieux là, le petit blanc, fond de ce trou. Ah, ah non, là, c'est qu'il y a juste un petit peu de minerai. Donc, ok. Super. Hop là. Et là, maintenant, on remonte parce que c'est super dangereux. Ah. Et donc là. Voilà le vaisseau. Enfin, ce qu'il en reste. Le signal vient de là. Des guettes. C'est un piège. Oh putain. Oh, toi, t'es mort. Ah, je vois pas. Ah, mais t'es là toi. Ah. Oh non, j'ai loupé. Voilà. Voilà. C'était un par là. Ah oui, d'accord. Voilà. Oula. Et dis donc, c'est pour ce petit. Ouais, bah attends, du coup. Merde, du coup, baisser lui. Voilà.
Oui, bon, il est pas si tant que ça. Hein. Ah d'accord. Putain mais... Non, bon, bah ok. Bon. Alors, ouais, mais attends, du coup... Du coup, en termes de... journal, là, c'est quoi ce bordel? D'accord. D'accord, ah ok. Bon bah très bien. Ok, alors ah bah tiens si, il y a un autre truc là. J'ai pas vu. Ok, donc c'est celle-là sur laquelle on atterrit. Donc on va essayer d'analyser les autres. Analyser, super. Ok. Si on a rien. Il n'y a pas d'autres planètes en bas, non. Ok. Let's go. Allez vite. On va essayer encore de contourner. Si je rentre par là comme ça là. Dégagez les gars là. Ok, sonde accidentée, recyclée, ça veut dire putain. Casse ses couilles. Carte. Allez là. A priori, en passant par là, on évite le gros des montagnes. Cool. Est-ce que j'y vais ou pas? Est-ce que c'est facile d'accès ou pas? Ah, c'est peut-être galère. Oh, putain de galère.
très cool. C'est mon mercure, on va être très bien. Hop là. Ah ah, pyramide. Carte de la zone, ouais, trop bien. Rampons pour voir ce qui se passe là-haut. Ok. Bon, allez. Le tournant au Mako. Putain, il est un peu dans le véhicule. Et allons là, en fait. Allez. Ascension pour mon plaisir là. Ça va plus être ça. Pourquoi on était venu sur cette planète là? Non, on avait pas ce message pour ça. Parce que tellement on se prend, je sais pas. Avec ces missions là. Il y a l'air d'y avoir des méchants. Ici, là. Ah oui, très bien. Tous les copains. Ah, peut-être t'es mort. Moi aussi. Pas de chance. Allez. Let's go good.
Je sais qui dirige cet endroit. Vous êtes déjà venu ici ? Non. Mais j'en avais l'intention avant de vous rencontrer. Cet endroit appartient à un sale fumier turien du nom de Ton Actus. Ah. C'est une longue histoire, mais il possède quelque chose qui me revient. Qu'est-ce qu'il vous a pris ? Une armure. Elle est dans ma famille depuis 5 générations. L'armée turienne l'a confisquée à mon père après la guerre. Et je ne sais pas comment, elle a atterri entre les mains de cet enfoiré. Je veux la récupérer. On va la récupérer. Allons-y. Je vous suis. Ok. Bon, bah les gars, c'est une armée à jeu, hein. Ok, superbe. Hop, 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 hop. Superbe. Allez. Et il reste un. Ok, je ne sais pas où. Il doit être au-dessus. Ok. Il doit être au-dessus. Voilà. J'ai bien cru que c'était fini. Oh, voyons. Bon. Ah, chiotte.
Ah, chiotte. La voilà. J'arrive pas à croire qu'ils aient porté cette saloperie. Enfin, au moins, je l'ai récupérée. Ça me fait plaisir de vous avoir aidé. Si ça continue, on va bien s'entendre, Shepard. Ah, oh, bah vas-y, hein. All right. Ok, bon. Il y avait d'autres trucs là-dedans. Ok, bon. Ah putain, mais il y a plein de trucs. T'as dit baba ici. Bon, allez, on dégage. Avec son armure Krogan, il va envoyer du boulot, hein, putain. Je check s'il y a pas une autre porte là-bas. Non, bon, allez, on se casse. On se casse, les gars. Hop là. Donc là, on est à... Ok. On a fouillé dans ce coin-là, là. On a tout fouillé. Alright. Tenter Noria. Tenisto, ça va être une fois dans ce game, je pense. Je crois qu'il y a des gamins, on a déjà fait. J'ai un putain de doute. Oh. Astéroïde. Ah ah. Donc cette partie-là au King Eta. Allez, on va aller là parce que de toute façon. Stanus. Analyser, super.
On va faire celle-là. On va faire non plus. Une petite. Planète, ici encore. On va atterrir sur celle-là, j'imagine. Ah non, analyser. Ok. À quelle heure on peut atterrir? On peut pas atterrir là-dessus. Ok. Très bien. Alors on va aller là alors. Ah s'il n'y a pas une... Ah non. Ok. Je vais dire s'il n'y a pas une... une communication, que sais-je. J'aurais bien fait de me taire. Ok. Bah allons en Overia alors. Puisqu'on est censé trouver des choses. Ah ah. Contrôle, ici le SSV Normandie demandant vecteur et autorisation d'appontage. Normandie, votre arrivée n'était pas programmée. Notre système de défense est braqué sur vous. Déclinez vos intentions. Ordre de la citadelle, nous avons un spectre à bord. Autorisation d'atterrissage accordée, Normandie. Wow, c'est tendu du slip. Votre identité sera vérifiée à quai. Si nous ne pouvons obtenir confirmation, votre vaisseau sera saisi. Des types sympas. Je crois que je vais prendre ma prochaine permissie, moi. La blague. Compensation du différentiel de pression intérieur-extérieur. Livre de bord. Le commandant a quitté le vaisseau. L'officier Presley prend le commandement. Ok, gars. Et toi? Ok. Ça suffit. Nous ne sommes pas là pour créer des problèmes. Votre arrivée est imprévue. Il me faut vos autorisations. Vous d'abord. Nous représentons la loi ici. Faites preuve de respect. Je suis le capitaine Maeko Matsuo, d'Elanos Risk Control Service. Je suis un spectre. Mon nom est Shepard. C'est des conneries, chef. Nous allons demander confirmation. Je dois également vous prévenir que les armes à feu ne sont pas autorisées sur Noveria. Sergent Sterling, prenez leurs armes. Sûrement pas. Personne ne me prendra mon arme. On joue ! Nous sommes habilités à employer la force. Je vous laisse jusqu'à 3 pour déposer vos armes. 1, 2, Capitaine Matsuo, baissez vos armes! Leur identité est confirmée. Les spectres sont autorisés à porter des armes ici, capitaine. Vous pouvez y aller, spectre. J'espère que le reste de votre visite sera plus calme. Palacini-san vous attend à l'étage. Tenez-vous tranquille. Comment tu me parles, toi? Les ordinateurs. Alors. Ok. Je suis Gianna Parassini, l'assistante de l'administrateur Anoleis. Veuillez nous excuser pour l'incident sur le quai. J'apprécie votre aide. C'est normal. La responsable de la sécurité faisait juste son travail, vous comprenez? Je suis entre autres chargée de l'orientation des nouveaux arrivants. Avez-vous des questions? Votre sécurité est très importante pour un si petit port.
Le directoire fait tout ce qui est en son pouvoir pour protéger les intérêts de nos clients. Je dois être en mesure de mener mon enquête librement. Faites attention. Le directoire n'est pas à prendre à la légère sur le plan juridique. Il vous faudrait une avocate à Sari s'il vous faisait un procès. Vous n'auriez pas vu des individus étranges passer ici récemment ? Étranges ? Oui. Une matriarche à Sari est passée il y a quelques jours. Dame Benezia. Le bras droit de sa reine est ici ? Je peux lui parler ? Benezia s'est rendue au complexe du pic numéro 15 il y a quelques temps. A priori, elle y est toujours. Vous pouvez m'indiquer comment aller là-bas ? Vous devez demander à l'administrateur anoléiste l'autorisation de quitter ce port. Où se trouve l'administrateur ? Son bureau est au niveau principal, à gauche en sortant de l'ascenseur. C'est noté. On peut y aller maintenant. Bien sûr. Si vous avez besoin d'aide, vous me trouverez au bureau de l'administrateur. Ok. Commandant, nous devrions emmener le docteur Tsuni avec nous. Elle connaît sa mère mieux que n'importe lequel d'entre nous. C'est pas faux. Que je puisse. Les Turiens ne supportent pas le froid. Ok. Vous étiez au courant, je sais pas. Je prends le vrai que c'est. Le vrai que c'est puis. Ouais, ça reprend 3 minutes. Commando, heures, départ imminent. Décontamination en cours. Décontamination en cours. Livre de bord. Le commandant a réintégré le vaisseau. L'officier Presley est relevé. Ah. Eh ben, on va ressortir en fait, si sec. Let's go. Tu m'as dit qu'il aimait pas le froid. Hop. Va le faire souffrir plus que ça. Compensation du différentiel de pression intérieur-extérieur. Livre de bord. Le commandant a quitté le vaisseau. L'officier Presley prend le commandement. Alors l'ascenseur, où se trouve-t-il ? Ok, c'est là. Bienvenue à Port Anshan, le plus grand site indépendant de recherche et de développement de toute la galaxie. Dans votre propre intérêt, et afin de protéger la vie privée des autres résidents, veuillez obéir à toute instruction émise par notre personnel de sécurité. N'hésitez pas à contacter notre équipe administrative qui se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Merci de votre visite. Nos chefs nous ont mis en garde contre vous. Ok. Gauche, porte d'ascenseur. Bon. On essaie de trouver ça. Le bureau de. Je peux vous aider ? J'aimerais parler à Anoléis. Un moment, s'il vous plaît. Monsieur Anoléis ? Oui, quoi ? Quoi ? Le commandant Shepard demande à vous voir, monsieur. Très bien, faites-le entrer. Ok. Ça va lui parler. Wow. Vous ne m'en voudrez pas si je reste assis. Je n'ai pas de temps à perdre avec des réfugiés de cette plaie urbaine qu'on appelle la Terre.
Je vois que vous avez consulté mes états de service. Il n'y a que les idiots qui entament des négociations sans connaître un tant soit peu leur interlocuteur. Cette entrevue n'est pas officielle. Je coopérerai dans les limites fixées par le directoire. Si les sociétés s'installent ici, c'est pour échapper à la loi galactique. Vous êtes en train de me dire que vous n'avez aucun protocole de sécurité. Ne soyez pas ridicule. Vous pensez qu'une société à but lucratif ne prendrait aucune précaution contre les dégâts organiques et matériels ? Ici, ce sont les chefs de projet qui ont la haute main, pas ces fouineurs de politiciens. Vous êtes en relation avec Saren ? L'agent Saren ? L'un de vos collègues Spectre ? C'est un des investisseurs principaux de Twin Helix, l'une des sociétés qui finance Noveria. Est-ce que Twin Helix développe des armes pour lui ? C'est possible, étant donné son activité. Mais ce que nos clients font dans leur labo ne nous regarde pas. J'ai entendu dire qu'une certaine matriarche Benezia était ici. Oui, elle est arrivée il y a quelques jours, avec une escorte personnelle et du matériel. Elle est au pic numéro 15. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici ? Même si je le savais, je ne pourrais pas vous le dire. Elle est venue en tant que mandataire de l'agent Saren. Elle est chargée d'une mission pour Twin Helix. La société a sollicité l'attention de Saren au pic numéro 15. Que savez-vous sur le matériel qu'elle a apporté ? Volumineux, lourd et scellé. Il est passé au détecteur d'armes. Le reste ne nous regarde pas. Que voulez-vous dire par « escorte personnelle » ? C'est clair, non ? Des gardes du corps qui assurent la sécurité de sa personne. Un commando Asari en particulier. Vous laissez des biotiques psychopathes se balader dans la nature, et vous venez nous prendre la tête pour 2-3 flingues ? Ils étaient tout à fait en règle. Je n'avais aucune raison de retenir Dame Benezia pour ça. Il faut que je la voie immédiatement. Malheureusement, c'est impossible. Le pic numéro 15 est un complexe privé dans la chaîne des Skadis. De plus, le blizzard s'est abattu sur le secteur. Les navettes sont clouées au sol et tout accès en surface a été coupé. J'ai d'autres questions à vous poser. Chaque minute de mon temps coûte 12 crédits à la société. Je vous enverrai la facture. Plus de questions pour le moment. Bien. J'ai reçu une dizaine de messages urgents pendant que vous me teniez la jambe. Ta gueule. Vous ne connaissez pas le monde des corporations, n'est-ce pas, commandant ? La force brute ne sert à rien face à la bureaucratie. On dirait bien. Il va falloir changer de méthode. Parlez à Lorik Kin. Vous devriez pouvoir le trouver au bar de l'hôtel. Je ne peux pas vous en dire plus. Monsieur Anoleis risquerait de nous entendre. Quelle taille font les complexes de recherche ici ? Nous avons 17 complexes dans les montagnes. Chaque installation est autonome et compte des centaines d'employés. Vous avez dit que je devais parler à Lorik Kin. Anoleis n'est pas la seule personne qui dispose d'un pass pour quitter Anshan. Kin passe ses journées à l'hôtel depuis que son bureau a été fermé. Parlez-moi des sociétés implantées sur Noveria. Plus de 250 entreprises de haute technologie louent nos laboratoires. Nos principaux actionnaires incluent Elanos Risk Control Services, Twin Helix et Synthetic Insights Limited. Vos gardes travaillent pour l'ERCS, n'est-ce pas ? Le directoire bénéficie de tarifs sur la sécurité. Elanos développe également des armes mortelles et non mortelles. Twin Helix, il travaille dans la génétique ? Twin Helix est un leader de la génétique et de la biotechnologie. Ils essaient de rester discrets auprès des médias. Leurs recherches concernent en grande partie les modifications biotiques, ce qui énerve de nombreux écologistes, néoludistes et autres groupes fondamentalistes. On n'a pas parlé de Synthetic Insights aux infos récemment. C'est l'une des 4 sociétés exclusivement habilitées par le Conseil de la Citadelle à développer l'intelligence artificielle. Synthetic Insights a beaucoup d'ennemis. Or, personne n'a jamais réussi à déjouer notre sécurité. C'est pour cela qu'ils investissent beaucoup ici. Quelle taille font les complexes de recherche ? Nous avons 17 complexes dans les montagnes. J'ai suffisamment habité. Pas du tout, Spectre. Ça fait partie de mon travail, après tout. Ok. Tenter d'aller au bar. On va faire le tour. On va pas passer. À gauche, il doit y avoir un truc à droite. Qu'est-ce qu'il peut y avoir là ? Ah, mais c'est peut-être le bar justement. Ah non. C'est vous le Spectre ?
Oui, c'est moi. J'étais technicien dans l'armée. À part les gars de Maeko, les gens sont trop coincés ici. Ils se détendent en sirotant de la flotte hors de prix. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui ? Vous m'avez l'air de tout savoir. Quelles sont les nouvelles dans le coin ? Il y a les problèmes du pic numéro 15. Synthetic Insights a été fermé par Anoleis, et une matriarche est arrivée récemment. Vous savez où est cette matriarche maintenant ? Vous êtes à sa recherche ? Elle a pris une navette pour le pic numéro 15 juste avant le blackout. Quel genre de problème y a-t-il eu au pic numéro 15 ? Aucune idée. Il y a bien du blizzard, mais c'est pas la première fois. En tout cas, ça n'a jamais coupé les communications satellites. Ce complexe a toujours eu une sale réputation. Personne ne parle de ce qu'il y fait, et les gens qui en reviennent sont plus silencieux. Qu'est-ce que vous faites ici ? Je suis le chef mécano d'Anshan. Appelez-moi Lee. Les humains ont du mal à dire mon nom complet. J'ai une équipe de 12 gars. On entretient les navettes de transport qui transitent ici. Je dois y aller. Si vous avez besoin de quelque chose, je serai ici. Très gros. L'accès au garage nécessite une autorisation. Okay. Très bien, je passais juste dans le coin. Bonne journée. Ok. Donc c'est... Bon. Ça, je sais pas où ça m'envoie. Voilà. On va voir s'il ne manque pas un autre truc ici. Ah, mais c'est peut-être là le bar. Ah non, faut que je finisse d'ici. Ok. Ces salutations. Êtes-vous le spectre qui visite Port Anshan ? Oui, c'est ça. Absolument. Il vous est fait des excuses pour le désagrément. Alors. Ok, rien de particulièrement intéressant. Là, y a rien. Ah si, c'est rouge. Est-ce que j'ai le droit de rentrer ici ? Non. Raté. Ah tiens, c'est quoi ça ? Hop, un petit codex. Bon, est-ce que là-dedans... Ouais, on peut prendre cet ascenseur, je sais pas où il va. Ah. Ah, mais il doit aller au bar. Excusez-moi, j'aimerais vous parler. Vous voyez cet humain au bar de l'hôtel ? C'est un représentant de Twin Helix. Son nom est Raphaël Vargas. Je vous demande d'aller lui parler. Vous savez qui je suis ? Comme tout le monde ici, tête de marbre. C'est d'ailleurs pour ça que je fais appel à vous. Vargas ne se méfiera pas. Il pensera que vous venez fouiller le linge sale de sa société, sans se douter de votre véritable motif.
Et juste là, pourquoi vous n'y allez pas vous-même? J'ai déjà essayé, vous pensez bien, mais j'ai échoué. Il a compris que je le menais en bateau. Je ne connais rien sur Twin Helix. Que voulez-vous que je lui dise? Je représente le conseil municipal d'Aramali sur Tessia. Notre ville est célèbre pour ses fabricants d'amplis biotiques. Quel rapport avec Twin Helix? Vous n'êtes pas en concurrence? Mais Twin Helix a partie liée avec la biotique. Selon les rumeurs, leur branche novérienne a fait entrer clandestinement des biotiques Asari. Et pas des moindres, des guerrières d'élite. Nous voulons nous assurer qu'ils ne vont pas empiéter sur nos plates-bandes. Vous vous ferez passer pour un acheteur mandaté par les Spectres ou l'Alliance. Faites mine de vous intéresser à leur programme d'amélioration militaire. Mais votre véritable objectif sera d'accaparer son attention. Je vais vous donner un appareil qui infiltrera son réseau wireless. Il téléchargera divers virus troyens qui se propageront sur l'intranet de Twin Helix dès qu'il se connectera. Vous pensez que je porte cet uniforme pour épater la galerie? Je crois qu'on n'est pas du même côté de la loi. Et de quel côté est Twin Helix, à votre avis? Vous croyez qu'il n'utilise pas les mêmes ficelles? Ce n'est pas une raison pour que je m'en mêle. Très bien, Spectre. Je vous laisse. Non, mais... En fait, Oh. Bonjour. Asseyez-vous, prenez un verre. Que puis-je faire pour vous? Vous êtes Lorik Kin. On m'a dit que vous pouviez peut-être m'aider. Vous êtes le Spectre qui vient d'arriver, n'est-ce pas? En quoi un vieux Turien comme moi peut-il vous aider? J'essaie de trouver un moyen d'accéder au garage. Je dois prendre la route. Alors il va vous falloir un pass. J'en ai peur. Vous voyez, je suis le gérant de Synthetic Insights. Plus pour très longtemps, je le crains. Monsieur Anoleis a fermé mes bureaux. Il prétend que je suis corrompu et a ouvert une enquête. L'administrateur est quelqu'un de surprenant. Il s'est enrichi très rapidement depuis qu'il supervise directement les locations. J'ai comme l'impression qu'il y a un lien de cause à effet. Absolument. J'ai obtenu des preuves des malversations d'Anoleis. Ces hommes de main saccagent mes locaux pour les trouver. J'imagine que ce que vous cherchez n'est pas dans ce port. Anoleis ne vous laissera pas circuler librement. Si vous récupérez les preuves dans mon bureau, je vous donnerai le pass du garage et de l'argent. Pourquoi Anoleis n'a pas annulé votre carte? À quoi bon? Dehors, il n'y a que de la neige et des nataques affamées. Où trouverez-vous un pass? Je suis gérant. La plupart des cadres de Noveria sont libres d'aller et venir comme bon leur semble. Vous avez un plan? Oui, cependant, il y a... Quelle est cette charmante expression humaine? Un tic? Vous devrez peut-être avoir recours à la violence face aux hommes d'Anoleis. Il utilise les agents de sécurité d'Anshan pour fouiller mes bureaux. Il les paie en dessous de table. Mademoiselle Matsuo n'est pas au courant des activités illégales de ces hommes. Je vais les récupérer, vos preuves. Peut-être même sans effusion de sang, allez savoir. Parfait. Voici le pass de nos bureaux. Il permet d'activer l'ascenseur. Les preuves sont dans mon bureau, sur l'ordinateur. Ce DSO contient une clé cryptée pour y accéder. Insérez-le dans le lecteur, et il s'exécutera automatiquement. Et essayez d'éviter les taches de sang sur la moquette autant que possible. Quel genre d'offres ils vous ont fait? Une bonne. Je ne suis pas censée parler chiffres. Ils font leurs offres en les notant sur éphémérite. Et niveau avantage sociaux? Pas mal aussi. La société prend soin de ses employés. Assurance intégrale, congés payés, logements subventionnés, et au bout d'un an, on reçoit des stock options. Vous avez entendu parler de leur centre de détente sous l'équateur? Crab jumping, congés, accès libre pour un astronaute. Comme ouais, ça, je m'en fous, ça. Ouais. Ne coupe pas. Grand frère, c'est moi. Je suis sur Noveria. Je peux pas te parler longtemps, cet appel me coupe 10 crédits la nuit. J'appelle en intergalactique depuis la travée. Désolé, l'hôtel est réservé aux personnes possédant un compte d'entreprise. Ok. Je sais pas où se trouve l'ascenseur du coup. Oh, ah oui. Oulala.
Alors, où se trouve l'ascenseur? Baie d'amarrage vers l'hôtel. Ah ben voilà, moi je vais aller là. Tac. Ah, c'est ça. On ne bouge plus. Sécurité d'Anshan. Ce bureau est sous-scellé. Que faites-vous dans ces bureaux? C'est un ordre de l'administrateur. Lorikin fait l'objet d'une enquête. Anolis vous paie pour fouiller cet endroit. Est-ce que le capitaine Matsuo est au courant de votre présence? Hé, hey, ce n'est pas moi qui veux la tête de Kin. Anolis a vraiment une dent contre ce type. Écoutez, je vous propose de faire comme si on ne s'était pas vu et de notre côté on fait pareil. Ok. Oh là. Et lui, du coup, il me tire dessus ou pas? Ah ouais, tiens. Wouah, c'est pas. Allez, toi là. Oh non. Voilà. Voilà. Où sont les autres? Oh bah tiens, t'étais là toi. Boum. C'est pas bien ce que tu fais là. Kit médical, ok. Ok. Alors ça on verra plus tard ça, le codex et tout. Ah ah. Je crois que vous ne devriez pas être ici, Shepard. Je n'ai pas l'honneur de vous connaître, mademoiselle... Tiens, vous commencez à apprendre le respect? Je suis le sergent Kyra Sterling. Je travaille pour le RCS. Anolis vous virerait de la planète pour ce que vous avez fait ici. Pas moi. Vous savez ce qu'on fait aux tueurs de flics sur ma planète? Vous enfreignez la loi en acceptant des pots de vin. Vous savez ce qu'on fait aux flics ripoux sur ma planète? Je ne voulais pas en arriver là.
Ce sont eux qui ont tiré les premiers. Moi, j'ai pas besoin de flingue pour vous tailler en pire. Oh putain, c'est trop. Putain, mais t'en mets pas devant, bordel. Et l'autre con là, qui est là, m'énerve. Bon, et où l'autre? Voilà. Ok, let's go. Raté, c'est pas là que je voulais aller, c'était là. Chier. Ah ouais. Bon bah let's go les gars. On va retourner au... au bar. Très bien. Commandant ? On raconte qu'il y a eu du grabuge dans les bureaux de Synthetic Insights. Êtes-vous au courant de quelque chose? Sans doute les hommes d'Anoleis qui pillent les locaux. Vous voulez jouer au plus fin? Très bien. Je suis partante. Retrouvez-moi à l'hôtel pour prendre un verre avant de parler à Keen. Je vous attends là-bas. Ok. L'hôtel. Là, c'est l'ascenseur vers Synthétique mes couilles, ascenseur vers l'hôtel. Ok. J'ai l'hôtel. Ok. Je me présente une deuxième fois, Parasini des affaires internes de Noveria. Que fait un agent des affaires internes ici? Le directoire sait qu'Anoleis est corrompu.
Ça fait 6 mois que je suis ici en sous-marin. Je voudrais que vous persuadiez Keane de témoigner devant le directoire. Avec son témoignage, cette planète pourrait sortir du marasme. Vous travaillez pour Anoleis. Elle n'a pas peur des fichiers compromettants sur son ordinateur. C'est un escroc. Mais il n'est pas stupide. Vous croyez que je vais trouver un fichier du genre Sherlock, aujourd'hui j'ai détourné 3 millions de crédits? Les dossiers et le témoignage de Keane me suffiraient pour prouver à coup sûr la culpabilité d'Anoleis. Je croyais que la corruption était une institution sur Noleria. La règle ici, c'est de ne pas faire de vagues. L'intérêt personnel est toléré tant qu'il n'entre pas en conflit avec les affaires. Or, Anoleis fait fuir les clients. Pourquoi vous n'allez pas voir Keane directement? Je suis la secrétaire d'Anoleis. Vous croyez qu'il me ferait confiance? Qu'il me rencontrerait dans une allée sombre avec ses preuves? J'ai besoin du pass de Keane pour accéder au garage et poursuivre ma mission. Si vous m'aidez, vous aurez tout ce que vous voulez. Échange de bons procédés. À long terme, il vaut mieux éliminer le problème à la racine. Écoutez, Shepard, ça ne me plaît pas plus qu'à vous. Les spectres agissent vite et contournent la loi. Ce n'est pas bon pour les affaires. Très bien. Je vais parler à Keane pour essayer de le convaincre. Merci. Vous savez où je travaille. Venez me voir quand vous saurez s'il accepte de coopérer. Ravi de vous voir, Spectre. Des nouvelles au sujet de notre petite affaire? J'ai fait le boulot, mais un agent des affaires internes m'a contacté. Elle veut que vous témoigniez contre Anoleis. Maintenant que vous avez ce qui m'appartient, vous voulez me dire comment m'en servir? Je ne tiens pas à me donner en public. Tout le monde dans cette station subit le racket d'Anoleis. Vous deviendriez un héros. Mais mon employeur est tributaire de la bonne volonté du directoire. Un mot d'eux, et nous pouvons plier bagages. Si ces décideurs ne comprennent pas que c'est Anoleis la cause de tout ça, ils sont bien stupides. Très bien. Il est évident que je n'arriverai pas à vous convaincre. Très bien, je vais témoigner. Prenez vos dispositions avec votre contact. J'attendrai ici. Et... Ok, bon, on va retourner voir l'autre là. Allez, let's go. Allons voir la madame. Dites-moi, Spectre, vous avez réfléchi à ma proposition? Ça n'a pas été facile, mais Keane a accepté de témoigner. Vous m'ôtez une sacrée épine du pied. Je vais prendre les preuves avec moi pour des raisons de sûreté. Je ne pensais pas que vous m'aideriez. Vous êtes un spectre. Mais il doit y avoir des gens bien parmi vous. Ça ne vous aide pas? Vous n'avez pas l'air particulièrement heureuse. J'exulte. Mais pour l'instant, je suis surtout exténuée par toute cette tension. Pendant que vous enquêtiez sur Keane, je vous ai déniché un pass. Faites attention là-haut. Je dois procéder à une arrestation. J'aurais aimé me changer pour mettre quelque chose de plus confortable. Je déteste les jupes. C'est un scandale! Je ferai en sorte que vous ne puissiez plus travailler dans ce secteur! Oui, c'est ça, du fond de votre cellule. Vous, Shepard, je vous ordonne de mettre cette garce en état d'arrestation! Vous avez le droit de garder le silence. De grâce, profitez-en. Un de ces jours, commandant. Je vous dois une bière. Cool.
Ah, qu'est-ce que... Ok, on va essayer d'aller jusqu'au pic numéro 15 et puis après on arrêtera. Ok. Et c'est là, vers le garage. Il paraît que l'administrateur a été arrêté. Vous ne seriez pas dans le coup, par hasard? Il était corrompu. Comme la plupart des gens ici. J'aimerais bien que vous les arrêtiez tous. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Je dois y aller. Si vous avez besoin de quelque chose, je serai ici. L'accès au garage nécessite une autorisation. J'ai une autorisation. Excusez-moi. Oui, tout est en règle. Faites attention sur la route. Le temps est exécrable dans la vallée d'Alutsk. Ok. Cool. Alright. Oh, c'est quoi ça? Putain, y'a des guettes à la con. Oh, je peux pas sauvegarder. C'est donc ça que la Sarah dans ses containers. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Ah! Putain, mais. Oh, ça met pas de vent! Ah merde! Ah, bah non, mais c'est un mauvais. C'est un mauvais ça! Ok, let's go, les gars! Ok. Ça, déployez-vous et sécurisez le périmètre. Personne ne sort ni ne rentre. Ah. Ah, mon avocat. Non. Alors, voyons voir. Formation d'assaut, bah oui, let's go. On va faire... Vas-y, on va mettre un point de précision là-dedans. Toi, tu vas faire ça. Puis toi, tu vas faire la stase. Voilà. Les équipements sont
faire. Ah bah tiens, toi tu vas faire ça. Et en plus, tu vas même rajouter un petit mode. Voilà. Alors, je serais pas surpris qu'on croise deux ou trois guettes sur la route. Je sais pas pourquoi j'aurais mis une chance. Voilà. On a déjà des... Par des méchants pas beaux là-bas. Pas envie de tout refaire, les gars. Vous m'en excuserez.
Attends, là, au niveau de la carte... Ah, je suis presque arrivé. Ok. Bon. Allez. Ah ouais. Putain, c'est ouf. Waouh. C'est bon. Voilà. C'est bon, on est safe, les gars. Bientôt au pic du midi. Oh putain, c'est là. Aïe. Voilà. Attends. Non, je peux sauvegarder? Ah non, je peux pas. Putain, je peux pas encore. Ah ouais. Alerte utilisateur.
tous les complexes du pic numéro 15 ont subi d'importants dégâts. Matériaux nocifs présents dans le complexe. Interface intelligence virtuelle déconnectée. Nous allons devoir réactiver les réacteurs. Ok, comment on fait ça là, la meuf ? Ok. Là, ah bah c'est par là du coup. Putain mais... Oh ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Mais non. Okay. Ah c'est bien ça. Medikit. Les tourelles sont-elles tournées dans le mauvais sens? J'ai l'impression qu'une fois entré là-dedans, c'est difficile d'en sortir. Ok, bah let's go. Oh là là. Bon, on va s'arrêter là avant un formidable combat. Oh bah j'ai bien fait de regarder là. Et voilà. Et comme ça, on va pouvoir défoncer plein de bonhommes. Putain le feu. Ah ouais, quand même, là. Allez, là, c'était un là. Et voilà. Ah bah, peut-être sauvegarde. Qu'est-ce que c'était ? Une attaque de débris tueur. Pas de panique, je vais vous protéger. Ok. Ok, ça. Ah ouais, ok. Donc, ah oui, c'est plus que ces trucs là qui restent. Il reste plus que ça. Il en reste plus que deux ici. Aucune idée. On le saura une fois au labo. En tout cas, c'était bien dégueu. Ah ah. Médigel. Ouais. Ok. Ah zut, il y en a encore un. Ça va? Attends, est-ce que moi là je peux pas te soigner? Bon, je sais pas.
Bon, comme on avance petit à petit. Ah, mais ça, je m'en fous. Ok. Ascenseur vers le noyau. Ok. Bon, on va s'arrêter là et puis on suivra cette aventure later. Allez, ciao!